Bonjour les amis, c'est l'heure du conte. Aujourd'hui, on va lire Annie Brocoli. Hey, hey, qu'est-ce que j'entends? Les éditions sont de Logique et les illustrations sont de Serge Rosso. Annie Brocoli. Et on commence. Hey, hey, qu'est-ce que j'entends? Avant même que maman soit réveillée, je suis déjà sous l'escalier à manger mon goûter, des bonbons, du chocolat. Je me mets sous la dent de la réglisse, des biscuits, tout ce que j'aime tant. Caché en dessous des escaliers. Et soudain, qu'est-ce que j'entends? Est-ce un maringouin avec des mocassins? C'est maman qui me surprend. Ah ah! Maman m'a poigné. Elle me dit, Hé, si tu n'en manges tout le temps, tu vas carier tes dents. Et j'ai dit, Hé, quand je serai grande, j'en mangerai tout le temps. Elle aime beaucoup les friandises. Quand maman est occupée à faire son dîner, j'en profite. Je me dépêche. Je vais au grenier. Mon chocolat, le voilà qui m'attend. Je le prends, je le goûte, comme il est ragoûtant. Elle a des petites cachettes partout. Et soudain, qu'est-ce que j'entends? Est-ce qu'un lapin avec des mocassins? C'est maman qui me surprend. Elle me dit, Hé, si tu en manges tout le temps, tu vas carier tes dents. Et j'ai dit, Hé, quand je serai grand, j'en mangerai tout le temps. La journée est presque achevée. C'est l'heure du souper. Maman est affairée. Je retourne me cacher. Où est sa prochaine cachette? Mon estomac me crie « Famine! » Depuis très longtemps, je lui donne du chocolat. Il est très content. Elle a un beau petit chat aussi. Et soudain, qu'est-ce que j'entends? Est-ce un bambin avec des mocassins? C'est maman qui me surprend. Elle me dit, Hé, si tu en manges tout le temps, tu vas carier tes dents. Et j'ai dit, Hé, quand je serai grande, j'en mangerai tout le temps. Le petit minou joue avec l'emballage du chocolat. Je dis bonne nuit à maman. C'est l'heure du coucher. Dans mon lit, je me blottis. Je soulève mon oreiller. Mes bonbons, mes biscuits, qu'ils sont appétissants. Je croque en pleine dent. Comme c'est excellent! Elle cache des choses en dessous de son oreiller. Et soudain, qu'est-ce que j'entends? Est-ce un maringouin avec des mocassins? Mais non, ce n'est pas maman. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce un éléphant? Des pas de géant? C'est papa qui me surprend. Cette fois-ci, c'est papa. Il me dit, Hé, si tu en manges tout le temps, tu vas carier tes dents. Et j'ai dit, Hé, même si c'est tentant, oui, j'écouterai maman. J'espère que vous avez aimé ma petite histoire aujourd'hui. Et n'oubliez pas, laissez-moi un petit mot. Et joyeux Noël! Passez des belles fêtes!
et on se revoit très tôt. Au revoir!